Yo tout le monde, c'est AppleFox et aujourd'hui je vous représente un nouveau tweak Cilia qui s'appelle Repower et qui va vous permettre d'avoir plusieurs options quand vous allez éteindre votre appareil. Bon, ce tweak n'est pas très bien fait pour ma part parce que moi mon iPhone 4 est du braquet sur iOS 7.1 et les sliders sont pour iOS 7 en dessous, c'est des sliders carrés. Bon, ça marche quand même. Donc ce que ça va vous permettre, c'est tout simplement de ça vous ajoute des sections de slide, donc on peut toujours éteindre. On peut slider pour faire un reboot ou pour faire un respring. Moi je vais faire un reboot vu que c'est un Jabrak tethered. J'ai pas envie de faire la manip avec l'ordi, donc on va faire juste un respring et vous allez voir que ça marche très bien, même sous iOS 7.1. Donc c'est un truc vraiment sympathique. Au lieu d'éteindre, de rallumer encore, voilà, mon iPhone vient de faire un respring et voilà. C'était rapide et simple. Donc c'est un truc vraiment sympa, je vous le conseille. Donc si vous allez dans les réglages, vous avez une nouvelle section qui vous permet de remplacer le reboot par le safe mode et enable all de layout. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. On va l'essayer ensemble pour voir si ça fait quelque chose. Donc voilà, ça change, ça montre combien de jours, d'heures et de minutes il a été éteint ou redémarré. Vous avez toujours les boutons reboot et respring assemblés, donc moi je vais prendre celui-là. Moi c'est plus en harmonie avec iOS 7.1, c'est moins en superposition. Voilà. Donc c'est franchement un petit tweak bien sympathique, je vous le conseille. Donc Repower est disponible gratuitement sur Cydia sur la source de Big Boss, donc n'hésitez pas à l'installer. Donc voilà, je vous montrerai si vous avez en dessous d'iOS 7.1, ça fera comme ça, donc ça sera plus en harmonie. Moi je préfère prendre l'autre là, comme je vous ai dit, le gros carré, moi c'est moins en superposition avec le slider d'iOS 7.1. Donc n'hésitez pas à l'installer même si vous êtes déjà braqué sur iOS 7.1, vous voyez que moi ça marche très bien. Donc voilà, c'était AppleFox pour un nouveau tweak. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et à poser vos questions dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous.